J'étais pas parti pour parler de ça, mais bon, puisque j'ai du mal à me retenir quand on me titille un petit peu sur certains domaines. J'ai vu à quel point toute la presse algérienne s'est offusquée quand par exemple on s'est senti lésé lors des CAF Awards. Riyad Mahrez qui ne finirait pas dans le top 3, ne serait-ce que ça, dans le top 3. On ne parle même pas d'obtenir le ballon d'or. Que l'USMA n'était pas aussi dans le top 3 des équipes. Zid. Non, Benchir était dans le top 3. Benchir était dans le top 3. Hein? Chaibi, dans un truc. L'équipe nationale, sur l'année 2023, ouais. Apparemment, il y avait des. On était là. La dernière roue du carrosse, à la limite, c'est pas le plus important. Et Ganoto, ça vous a tous offusqué, ou Gacharchto, à l'unisson. Tfahamtou Bardakum, Kharchto, ou Goulto, quand je dis la presse, de manière générale, et notamment les plateaux télé. Et vous êtes tous offusqués, vous avez tous crié au loup, au feu. Mais moi, ça fait 5 ans que je parle. Koutouahdi, tout Goulo, Belli, non, c'est coach qui. Pour des règlements de compte. Sachant que tous ces gens qui parlent, je connais personne, j'ai rencontré personne, ils n'ont jamais voulu venir ici, avec vous, dire ce qu'ils disent sur des plateaux, venir le dire ici, ils n'ont jamais voulu le faire, pourtant les inviter, officiellement. Et après, ils sont tous sortis pour dire voilà, qu'est-ce qu'elle a fait. On est lésés, on n'est pas considérés. Mehtar Mounej, Hagrouna. Ça fait 5 ans que je le dis, moi.